mis à même en sous-souté. Napusani, maboko nanga na tombo, na tombo, est-ce que nous pouvons acclamer encore une fois pour la gloire du Seigneur? Tu peux saluer deux ou trois personnes en leur disant que la faveur de Dieu repose sur vous. Alléluia. Amen. Grande est ma joie de me retrouver au milieu de vous aujourd'hui. Il y a des événements pour lesquels on se prépare pendant beaucoup de temps. En attendant qu'on vous appelle. Amen. Amen. Des fois, on nous appelle à la dernière minute. Et psychologiquement parlant, c'est un rendez-vous que nous ne voulons pas rater. Orateur ou pas orateur. Mubiri ou alashina mubiri. C'est devenu un programme dans l'année qu'on a déjà booké. Alléluia. Amen. Quand je suis entré la première fois, cette fois-ci, j'ai commencé à observer le visage des gens. Et je me suis dit, oh là là, on vieillit là. Alléluia. Amen. Lorsqu'on avait commencé, on n'avait pas cette mine ici tous. C'était comme une aventure là. Des jeunes gens. Maintenant, c'est devenu une aventure des générations. Non, ton amen n'est pas bon. J'ai dit, c'est devenu une aventure des générations. J'étais en train d'admirer notre frère qui chantait, les frères qui chantaient ici. Et j'ai parlé à Papa Patrick. Alors il m'a dit que ce sont les enfants. J'ai dit, à notre époque, c'était à cet âge qu'on avait commencé quoi. Ton amen n'est pas bon. Non, ton amen n'est pas bon. C'était à cet âge-là. Et ce n'était pas la chorale de la jeunesse. À l'époque, c'était la chorale principale. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Léo, une génération grandit, une autre est en train de venir. Et nous contemplons la fidélité de Dieu. Alors si tu es d'accord avec moi que Dieu a été fidèle pendant plus de 27 ans, tu acclames pour la gloire du Seigneur. Juste pour la fidélité de Dieu. Donc il y a eu 27 ans sans que quelqu'un puisse compromettre. C'est que 27 ans bila muntu ende pembeni. 27 ans des gens qui sont restés debout. 27 ans bantu balbaki abuima. Non, ton amen n'est pas bon. Non, ton amen n'est pas bon. Donc il y a des gens qui ont fait 27 ans avec le Seigneur. Sans compromission. Il faut respecter la génération Joël. Non, ton amen n'est pas bon. Je pensais qu'il y a des générations Joël réelles ici. Il faut respecter cette vision. Garder des gens debout. Plusieurs années comme ça. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi je bénis le Seigneur de m'associer encore à cette grande équipe, de vous annoncer la parole de Dieu.
Je remercie du fond du cœur le couple visionnaire d'avoir cette fois-ci encore pensé à notre modeste personne pour nous associer à ce grand ouvrage. Je bénis le Seigneur pour l'équipe avec laquelle nous travaillons. On commence maintenant à se connaître plus, de plus en plus. Au point qu'on est à mesure de laisser des couloirs à l'autre. Parce qu'on sait que celui-là il est spécialiste en tel domaine, l'autre là était dans notre domaine. Merci beaucoup pour vous. Alléluia. Amen. Je remercie l'organisation. Je remercie tous les serviteurs de Dieu qui sont présents et toutes les autorités politico-administratives. Je remercie aussi tout le monde. Cette fois-ci, j'ai su qu'il y avait des gens qui m'aimaient quand même. Amen. Parce que quand les gens ont vu les spots et mon visage n'y était pas, ils m'ont appelé. Balinita. Comme si c'est moi-même qui devrais prendre la décision d'être là, quoi. Alléluia. Amen. Au point que le révérend a dit, ah, il faut que je l'appelle, sinon ça sera compliqué. Bon, j'aimerais vous dire qu'il ne m'a pas appelé parce que vous vous avez appelé, mais il m'a appelé parce que c'était prévu. C'était une erreur technique. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, révérend, encore une fois. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Depuis le début, j'ai été béni par les messages qui nous ont été donnés. Curieusement, même le premier message du révérend, moi j'ai saisi beaucoup de choses dedans, même s'il n'a pas fini son message. Amen. Les autres qui sont passés, j'ai suivi les messages. Et j'ai béni le Seigneur de la profondeur qu'ils ont dans la communication de la pensée du Seigneur. Alors, comme vous le savez, j'ai une souffrance, c'est que j'aime exploiter le thème. Laissez-moi essayer de donner quelques éléments que je trouve importants dans ce thème. Amen. Amen. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Je lis Psaume chapitre 11. Assoma Psaume chapitre 11. Verset 1er jusque 4e. Psaume qui a commencé fika mpaka yaine. Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que je cherche mon refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendoratikabwana, lorsque j'essaye de trouver la définition du terme fondement, on dit c'est une base, élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste, principe sur lequel se fonde un système. Alléluia. Amen. Principes sur lesquels se fonde un système. J'ai besoin que quelqu'un saisisse cela très bien. Et moi, en particulier, je vais retenir trois principaux points. Et le quatrième, si Dieu me fait grâce, j'en parlerai.
Alléluia. Amen. Le premier point sur lequel je vais parler, c'est les fondements comme toute base sur lesquelles est soutenue la famille, la vie sociale d'un homme sur la terre. Ni kama musingi maisha ya pale panatungwa maisha ya bantu wote mkuishi mtunia. Alléluia. Amen. Toute base msingi yote sur lesquelles est soutenue la vie sociale d'un homme sur la terre. Yulia ile mfano wa kuishi ya bantu inaonekana mtunia. Deuxième point nukta ya pili que je vais devoir développer ile mta fungula, c'est deuxième point sur le fondement du royaume. Nous te appuyer na quoi nous signe au falme. Alléluia. Amen. Et le troisième point, nous te attatu, c'est les fondements nous signe des nations, pays ou sociétés. Na yama taifa ou bien ma kampuni. Alléluia. Amen. Je les ai divisés en trois. Nili igawanya mu bipande tatu. Maintenant, si Dieu nous fait grâce, ça kama mwantu fanzi anema. Je vais finir par les fondements des apôtres. Mitaishia pa msingi ya bantume. Alléluia. Amen. Si j'ai le temps. Kama nakona wakati. Donc le premier fondement, asa msingi ya kwanza, c'est les fondements des hommes. Inakuwa ni msingi ya batu. C'est à cela par là que je vais commencer. Je pa ile mitaanzia. Amen. Amen. Et dans le texte de base que nous venons de lire, namu usomi ya msingi twatu ya kusoma, lorsqu'on parle du fondement qui est renversé, wakati banasemezea mamsingi imepunduzwa, le premier sens de ce texte, aina ya kwanza ya usomi, ce ne sont pas les fondements du royaume, aina misingi ya ufalme, mais ça peut être les fondements de la société, inaweza kuwa misingi ya kampuni, mais plus encore pour ce qui concerne David, kwa tena ile inaelekea sana Daudi, des fondements personnels parce qu'à l'époque il n'était pas encore roi officiellement. Donc ça veut dire qu'il n'engageait pas la nation. Vous êtes avec moi? Quelqu'un me comprend? Voilà. Alors, quand on dit quand les fondements sont renversés, c'est une question que les conseillers lui posent. Ils utilisent un temps. Il dit le juste, que ferait-il? Pas que fera-t-il? Ah, très bien. Amen. Hein? Amen. Mais plutôt, que ferait-il? Atafanyanini pal. Cela a attiré mon attention. Il est inabamba ngalisho yangu. Pour comprendre, tu as kuelewa que celui qui lui posait la question, kama ula kwa nampika swali, en réalité n'attendait pas une réponse. Kwa kweli akwa nachunga jibu. C'était une conclusion pour dire, ilikuwa ni kufunga jua kusema, comme les fondements sont déjà renversés, save misingi ishakutenka, même les justes est incapable de faire quelque chose. Ata mwenye haki ana na hatua ya kufanya kitu fulani. Qui a dit amen bien? Nana sema mina musuri. Parce qu'il avait posé la question, le juste, que fera-t-il? Du kama ariuliza swali mwenye haki mwilo wakati atafanya je kisha? Il s'attendrait à une réponse. Atachunga jibu. Mais quand il pose la question, que ferait-il? Mwakati anasema mwenye haki atafanya je pale. C'est pour consacrer son incapacité dans la chose. Ni Dieu akonesha kushipo kuweza mu ile kitu. Ton amen n'est pas bon. Amina yako ina mzuri. Dis amen bien. Sema amina mzuri. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'homme, sema muntu, quand même il posait la question, wakati alikuwa anapika swali, il ne s'attendait pas asikujichunge que David lui donne une réponse. Daudi ampatie jibu. Il était dans la conclusion, alikuwa mkufunga yote, que même toi, sema ata weye, juste que tu es mwenye haki vile uko, tu ne sauras rien faire, au tajua kufanya kitu, parce que les fondements du misingi sont déjà détruits. Inesha kupomonewa. Qui a dit amen bien? Nana sema mina mzuri. Quelqu'un me comprend? Mtuma nyelewa. C'est là que j'ai voulu comprendre, je parle le penda kuelewa, même si la Bible ne le dit pas, ata biblia iseme, mais c'était quoi il s'agissait? Ilikuwa ni nini pale?
J'ai compris que un homme muntu vit ana ishi en se fondant nkujiti amsingi, excusez-moi la tautologie, munire muniseme miseme parasi, sur des fondements pas misingi, ta vie telle qu'elle est ma isha ko ville iko, elle est établie sur des fondements imeshimamia pa misingi fulani qui ne sont pas d'abord Jésus. Il est aina mbele Yesu. Ton amen n'est pas bon. Amina kwa na mzuri. Il y a des gens, kuna kuya bantu, leur travail kazi yabo, c'est leur fondement ni misingi. Quand vous lui enlevez ça, wakati mnamtosha yu, il est déséquilibré, mnamtosha mustare. Ton amen n'est pas bon. Amina kwa na mzuri. Il y a des gens, kuna kuya bantu, tout le respect qu'on lui donne, et shima ote banampatia, c'est le mariage qu'il a. Ni ndoa anakuwa nayo. Vous lui enlevez ce mariage, mnamnyanganya ndoa, il n'y a plus rien. Hakuna kitu. Déséquilibré. Anakuwa bila msingi hata moya. Qui est d'accord avec moi? Nani pamoja nami? Alléluia. Amen. Vous me saisissez? Munini bamba. Amen. Amen. Il y a d'autres personnes. Ce sont les relations qu'il a. Si vous lui enlevez ces relations, il est dépité. Alléluia. Amen. Il y en a d'autres. C'est l'argent qu'il a. Ni feza ekonayo. Vous lui enlevez ça, mnamtosha feza, c'est compliqué. Na kwa mfuruku. Alléluia. Amen. C'est un fondement pour lui. Ina kwa ni msingi juu yake. Il y a des jeunes, il y a des enfants. Kuna kwa batoto, kuna kwa bijana. Ce sont les parents qu'ils ont. Ina kwa ni bazazi beko nabo. Alléluia. Amen. Si l'un de part, kama mmoja kati yabo anaenda, toute la vie est déstabilisée. Maisha yote inalabika. Amen. Amen. Regarde ton voisin. Angaria jirani wako. Et pose-lui cette question. Na umpike iswali. Sur quoi est fondée ta vie? Maisha yako nakuwa na msingi wapi? Ou change-le. Ou bien badirisha. Dis autrement. Sina namna nyingine. Quels sont tes fondements? Misingi yako ni nini? Alléluia. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Eti mneni bamba. Parce qu'il faut qu'on se comprenne ici maintenant. Alléluia. Amen. Lorsque le révérend était en train de parler le premier jour, il a voulu encourager quelques personnes en disant, même si on t'a divorcé, comme disent les Kinois, alléluia. Amen. Pourquoi le mariage s'est brisé? Il nous a dit, c'est parce que le fondement même sur lequel est établi ce mariage ont été renversés. Quand quelqu'un est parti ailleurs, ou est sorti avec ma petite sœur, alléluia. Amen. J'ai dit dans mon cœur, ça c'est impardonnable. Le fondement sur lequel est basé et fondé notre famille a été renversé. Et encore là, on peut poser à cette femme la question, mais non, le juste, que ferait-il? Alléluia. Amen. J'ai besoin que tu acclames pour la gloire du Seigneur. Donc, le fondement peut être ton entreprise. Parce que msingi inezwa kampuni yako, une affaire que tu tiens, inakuwa mpengine ni maturusu na kwa nayo, qui peut tomber en faillite. Inezi inanguka siku moja, un poste que tu occupes, inezwa cheo mo na kwa nayo, qui peut prendre fin. Inezisha siku moja. Alléluia. Amen. Toutes ces choses sont des fondements.
dans ce domaine, mon i domaine, quand les ennemis attaquent, moi kati badu bana chamlia, ils peuvent renverser le fondement sociaux, banaiza kupinduza misingi ya mufana kuishi, mais quand ils s'attaquent au fondement sociaux, wakati bana changuli bana take ile misingi ya mufana kuishi, l'objectif c'est d'atteindre le fondement principal, shabani kubamba musingi yenye ya mafa. Ton amen n'est pas bon. Amina kwa na mzuri. Regarde ton voisin du livre. Quand le diable t'attaque dans tes fondements, wakati shetani anakusonga muma misingi yako, l'objectif kifukuzio, c'est d'atteindre le fondement principal. Ni abambe musingi enye ya mafa. Haki gloria la sadek. Le problème du fondement principal, mambo ya musingi enye ya muimu, c'est que c'est difficile de le renverser. C'est que inakwa kigumu kuipendusa. On ne peut que t'y déplacer. Banaweza omwe kuyamisha. Ton amen n'est pas bon. Amina kwa na mzuri. J'ai besoin que tu acclames pour le Seigneur. Na pita upike mikono njo ya sauti ya Mungu. Aha. 1 Pierre chapitre 2. Petro a kwanza. Chapitre 2 verset 6 jusqu'au 8. Chapitre 2, 6 à 8. Car il est dit dans l'écriture: voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez maintenant, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Quelqu'un dit amen bien. Il s'y heurte pour n'avoir pas cru en la parole, à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. J'ai besoin que quelqu'un acclame pour cette parole puissante. La peine à mon tobiquer micono sa aussi à ouezo. Paul dit. Paul anasema, citant les écritures, les livres d'Ésaïe. Citant les écritures, les livres d'Ésaïe. Que Dieu lui-même dit, je mets une pierre. Une pierre angulaire. Choisie et précieuse. Celui qui croit en elle ne sera pas confus. Dans d'autres versions, on dit, il n'aura pas hâte de fuir. Et l'homme dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Amen. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Na kwa jiwe ya scandale. Il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Bana jikokota ko juu abakuamini kuneno. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Njo kwa ile banaelekea. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ton amen n'est pas bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Face à une telle situation, mbele ya i ali, le conseiller ont demandé à David de fuir. Alléluia. Amen. Ils lui ont dit, fuis. Les fondements sont déjà atteints. J'aime bien, la Bible déclare, cette pierre est devenue la principale. Ça veut dire que c'est sur elle que sont bâtis les autres. Alléluia. Amen. Alors la première, qui est la principale, elle, elle est précieuse. Choisi par Dieu. On ne peut pas la toucher. On ne peut pas la renverser. Mais les autres peuvent être renversés. Alors ce que j'ai aimé, une fois qu'on a conseillé à David de fuir, ça m'a rappelé quelqu'un. C'est que David n'était pas le seul. Néhémie. Je suis dans Néhémie chapitre 6. Verset 10. Jusqu'à 13. La Bible déclare, je me rendis chez Shemaïja, fils de Belaja, fils de Tabed. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et cependant, la nuit qu'ils viendront
pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il le prophétisait ainsi sur moi, parce que Sambalat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En les gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Quelqu'un dit amen. Tout moi c'est mes amina. Ton amen n'est pas bon. Amina quoi na mzuri. Est-ce que je peux avancer? Et tu me laisses kustawi. La Bible est en train de dire. Bila la quoi na tangaza. Que Néhémie aussi s'est retrouvé dans la même situation. Kama Néhémie al jipata mo ali mo amoya. Pendant qu'ils étaient en train de rebâtir le muraille. Pourquoi ba quoi na mo kasi ba quoi na jenglu la maokuta. Ma Bible déclare. Bila na tangaza. Qu'un prophète est venu lui donner un conseil. Nabi mo kwa lompatia shauri. Il dit fuis. Anasema kimbia. En d'autres termes, si je peux paraphraser David. C'est que les fondements sont déjà renversés. C'est missing parce que je pendous ça. Fui, kimbia. Le complot est déjà là. Mukusani kwa baba ikwa. Ils ont déjà bandé l'arc. Banaisha kutarisha bintu. Ils sont en train de venir te tuer. Beko na kuya kukua. Maintenant fui. Apa kimbia. Mais lui ne lui a pas adressé les montagnes. Ye ashikubebe kwa namlima. Lui a adressé la maison de l'Éternel. Anatarisha nyumba ya milele. Alléluia. Amen. Il dit allons nous deux dedans. Ase twendeni sheba uri ndani. On va se cacher là dedans. Tutafucha mamule ndani. Nehemi lui dit. Nehemi anamonesha. Quel homme comme moi. Muntu aje sami. Un homme comme moi. Muntu sami. Fuir. Akimbie. Quel homme comme moi. Ni muntu sa aje mikamu. Pourrait fuir. Anezu kimbia. Et rester en vie. Na abakie mzima. Et rester normal. Na abakie kwa ustare. Alléluia. Amen. Après il dit, j'ai reconnu par la suite. Na kisha ila nasema na tamua kisha. Qu'il avait prophétisé. Alitabiriaka. Pas au nom de l'Éternel. A pana kujina wa milele. Mais parce qu'on lui avait donné l'argent. Tu pal mpatiaka feza. Avec les buts. Na shaba. De m'amener dans le temple. Ya kunipeleka mu ekalu. Afin que. Tu. La première chose soit détruite. Kya kwanza ki aribishwe. Le fondement de ma réputation soit détruite. Misingi ya kafumu yangu yaribishwe. Son objectif. C'était de renverser un fondement. Les gens ont confiance en moi. J'ai une bonne réputation. Et moi, fuis. Pour moi, c'est un péché. Avoir peur, c'est un péché. J'ai besoin que tu regardes ton voisin. Et que tu lui dises, fuir, c'est un péché. Tu n'as pas dit bien. Dis-lui. Fuir, c'est un péché. Selon Nehemi. Kufatana na Nehemi. Fuir, c'est un péché. Kukimbia na kwa nizambi. Il dit, je ne fuirai pas. C'est Mr. Kimbia. Quelqu'un dit amen bien. Mutu wasema mina mzuri. Je suis là. Niko apa. Et je vais monter. Na mita shimama. Advienne que pourra. Ah, bila bitakuwa bikui. Quel que soit ce qu'ils vont vouloir. Nyekwa bila batafanya. Je serai là. Nitakuwa apa. Regarde ton voisin, dis-lui. Umwangalie kumoneshe. Je serai là. Mitakuwa pale. Dis-lui encore, demain. Umoneshe kesho. Je serai encore là. Mitakuwa tena apa. Après demain. Kesho yake. Je serai encore là. Takuwa tena apa. Même si les ennemis se multiplient. Ataba adu alizidisha. Je serai toujours là. Takuwa tena paka. Regarde ton voisin. Umwangalie jirani wako. Il dit, je n'ai peur de personne. Mais c'est shonga pa muntu. D'ailleurs. Ivi. Mais tuer c'est un avantage. Mais pour me tuer, il faut que vous puissiez toucher la pierre angulaire. Ah, qui a dit amen bien? Je parle comme un prophète. Et je déclare, s'il y a des fondements qui ne seront pas détruits dans ta vie, c'est le fondement de ta réputation. Ton amen n'est pas bon. Amina kwa na muzuri. Regarde ton voisin. Karia jirani wako. Tu lui dis ceci. Umoneshe hivi. J'ai travaillé pendant des années. Nilitumika miaka na miaka. Pour bâtir ma réputation. Kujenga kavumu yangu. Je ne laisserai personne. Sitacha ta mtu moya. Détruire ce fondement. Abaribishe hii msingi. Qui a dit amen bien? Nana sema amina muzuri. Je me suis privé. Je me suis consacré. J'ai abandonné les choses. J'ai tout fait pour me fabriquer une réputation. Je parle comme un prophète. Et je déclare au nom de Jésus qu'il est le diable qui essaie d'abîmer ta réputation. Il va tomber, il va se heurter. Ah, ton amen n'est pas bon. Tape la main à trois personnes. Il dit, bonnesse, lui, bonnesse.
La pierre qu'on rejetait, ceux qui baptisaient, est déjà la principale de l'angle. Et tous ceux qui ne croient pas en elle, ils vont se heurter. Je parle au nom de Jésus. Les sorciers de ta vie vont se heurter. Les méchants autour de toi vont se heurter. Tes adversaires vont se heurter. Qui a dit amen bien? C'est à qui a dit amen bien? Tout celui qui veut toucher ta réputation va se heurter. Et ma Bible déclare, il sera un rocher de scandale. Je proclame au nom de Jésus, à partir de maintenant, le scandale ne sera pas de ton côté. Ton amen n'est pas bon. Amina kwena muzuri. Tape la main à trois personnes. Pika mkono bantu tatu. Et dis-lui. Si tu attendais scandale, ce n'est pas sur moi, il faut regarder. Regarde mes adversaires. Regarde mes ennemis. D'ici là. Bakaba. Batari buntula. Qui a dit amen bien? D'ici la fin de la convention, ils vont se heurter. Ils vont se heurter. Tu ne peux pas, tu ne peux pas trahir Jésus et rester vivant. Judas, certes, Arisi Buntula. Ah, tape la main quelqu'un. Judas, certes, Arisi Buntula. Et comme il certait, il a signé l'arrêt de sa vie. Je parle comme un prophète. À partir d'aujourd'hui, tes ennemis, je leur donne une seule adresse, la pierre angulaire. Ils vont se heurter d'ici là. Mais que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière ou est consumées par le feu? Quelqu'un dit amen bien. Ça veut dire qu'ils ont regardé l'état de la destruction et du renversement et ils se sont posé la question. Il est inakuya mumvumbi. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand on les regarde, on les sous-estime. C'est la même chose que toi aujourd'hui. Toi dont les fondements ont été renversés. Il y a des gens quand ils te regardent, ils sont en train de se sous-estimer. Ils pensent que tu seras incapable de rebâtir les fondements qui ont été renversés. Regarde ton
voisin, tu dis, il pense que je suis incapable. De Esaïe, Jibu na tokia kwa Isaïa, chapitre 26, verset 11. Éternel, ta main est puissante, ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple, ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Yes. Quelqu'un dit amen bien. Je m'arrête d'abord là, mais je vais continuer. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplit pour nous. Oh God. Oh mon Dieu. C'est nous qui faisons, mais c'est lui qui accomplit. Non, ton amen n'est pas bon. Regarde ton voisin, dit, c'est moi qui vais faire, mais c'est Dieu qui va accomplir. Dis-lui encore, c'est moi qui vais faire, mais c'est Dieu qui va accomplir. Qui veut me battre pour redonner vie à mon mariage, mais c'est Dieu qui va accomplir la restauration de ma vie. Ton amen n'est pas bon. Tape la main à trois personnes. Et je déclare au nom de Jésus que la terre redonnera jour aux hommes. Demandez à Dieu, multiplie le peuple éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule tes limites. À partir d'aujourd'hui, que tous les fondements qui ont été renversés, les fondements de ta famille, les fondements de ton mariage, revivre. J'ai une parole prophétique à t'annoncer. C'est que tout celui qui travaillera à la restauration à partir d'aujourd'hui, l'Éternel des armées accomplira cette restauration. Lui-même déclare, même les pierres qui sont déjà mortes, celles dont Néhémie disait, et Sambala disait, est-ce que ça va revivre? Est-ce que ça va revivre? Est-ce qu'ils sont en mesure de redonner vie? Pendant que je pars,
descend. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Que l'Éternel va les reculer. Tape la main à trois personnes. Dis-leur. L'impossible n'est pas Dieu. L'impossible n'est pas Dieu. Et l'impossible n'est pas celui qui croit. Je crois au nom de Jésus. Ceux qui se sont moqués de toi, pensant que rien ne sera rebâti, j'ai besoin que tu leur dises: attends encore un peu de temps. Moi est la pierre principale. Nous sommes en train de travailler. Moi je travaille, lui il accomplit. Moi je travaille, lui il accomplit. Moi j'introduis, lui réalise. Moi je commence, lui achève. Tu dis amen par les choses comme ça. Pendant que je parle, je vois des entreprises qui n'ont jamais existé. Ton amen n'est pas bon. Des entreprises qui n'ont jamais existé. Je vois des gens dans leur famille être les premiers à reculer les limites. Qui a dit qu'il faut telle année pour se marier? Qui a dit? Je déclare au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, les limites seront reculées par la rosée de l'Éternel qui est vivifiante et déjà en train d'agir sur toi. Alléluia. Amen. David, Daoudi, non plus n'a pas fui. Il s'est appuyé sur le fondement principal. Paul Paolo aussi nous dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Or, Asa, Jésus Yesu n'est pas seulement un nom qu'on invoque, mais un système de vie, une haute philosophie, une autre façon de voir la vie. Lui-même se déclare être le chemin, la vérité et la vie. Normalement, quelqu'un n'a pas compris. C'est lui-même qui se déclare comme ça. En d'autres termes, quand la Bible déclare que Jésus-Christ est le fondement principal de l'angle, le problème ce n'est pas seulement le nom. Ce n'est pas le nom qu'on cite. Au nom de Jésus. Non. Vivre en tant que chrétien et sur le fondement de Christ, c'est tout un système de vie. Ce n'est pas seulement un nom qu'on invoque, mais c'est tout un style de vie. Parce que Jésus lui-même, il se dit lui, moi, Jésus égal chemin, vie et vérité. Qui a dit amen bien? Je répète, chemin, vie et vérité. J'ai besoin de dire à quelqu'un: Jésus-Christ, quand tu l'as en toi, tu n'as pas seulement un sauveur, tu n'as pas seulement un nom grand, tu n'as pas seulement le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom devant lequel tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, mais tu as le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Ça veut dire que quand tu es basé sur Jésus, ta vie a un chemin, ta vie a une vérité, ta vie a la vie. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Je répète, ta vie a un chemin, ta vie a une vie. Ta vie a une vérité. Laissez-moi le dire bien. Je disais, laissez-moi le dire bien. Qui a dit amen bien? Qui a dit amen bien? David!
Daudi. Lui s'était appuyé sur l'Éternel. Lui-même disait: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Car Jour. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et il continue à dire que toutes ces choses. Ça montrait la confiance qu'il avait dans l'Éternel des armées. Il s'est appuyé sur lui pour avoir la victoire. Maintenant, Jésus de Nazareth, qui est notre fondement, il est la vérité, il est le chemin, la vérité et la vie. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ta vie a déjà son sa destination. Je parle comme un prophète. Tu ne mourras pas en cours de route. Tu ne t'arrêteras pas en chemin. Car Jésus lui-même, qui est la pierre sur laquelle tu t'appuies, il est un chemin. Lui-même, c'est le chemin. À partir d'aujourd'hui, je parle comme un prophète. Tu es sur le chemin, Jésus. La Bible déclare: celui qui marche sur ce chemin, il ne se perdra pas. Je proclame au nom de Jésus: ta vie ne se perdra pas. Ton ministère ne se perdra pas. Tes enfants ne se perdront pas. Tes affaires ne se perdront pas. Tout ce que tu entreprends ne se perdra pas. Ton amen est en train de me scandaliser. Maintenant j'aime une chose: c'est que vos voix ne sont pas les voix de l'Éternel. L'Éternel te fera passer par des voix que peu de gens connaissent. Ma Bible déclare: Dieu n'est pas dans les boulevards, il est dans les sentiers. Ton amen n'est pas bon. Dieu n'est pas dans les boulevards, il est dans les sentiers. Je proclame au nom de Jésus: tu vas passer par des voies que peu de gens ne considèrent pas, mais ce sont les voies que Dieu a déjà tracées. Et je proclame au nom de Dieu, non seulement qu'il y aura restauration de ta vie, mais l'Éternel t'amène dans une gloire que tu n'as jamais pensé avoir. Pendant que tu dis amen, pareille chose est en train d'arriver. La deuxième chose, c'est qu'il est la vérité. C'est là que j'aime Jésus Nazareth. C'est que la vérité du monde n'est pas sa vérité. Quand tu es sur le fondement du monde, Lazare est mort. Quand tu es fondement Jésus, Lazare dort. Ton amen n'est pas bon. Tape la main à quelqu'un, tu es sur quel fondement? Je sens dans mon esprit qu'il y a des gens avant de quitter la convention, ils vont arrêter de pleurer. Pas parce que la chose a changé, parce qu'ils ont changé de fondement. Ah, qui a dit amen bien? Je parle au nom de Jésus. Ah, tape la main à quelqu'un. Dis-lui: il ne faut pas avoir pitié de moi. Il ne faut pas avoir pitié de moi. Parce que ce que tu considères comme étant détruit peut devenir la gloire qui va venir demain. D'ailleurs, je proclame au nom de Jésus: quand je te regarde, même ta honte, même ta honte là, pareil une gloire à venir. Tu dis amen, pareille chose commence. Simplement, quelqu'un dit: change de fondement. Ta vérité n'est pas la vérité de tout le monde. Ta vérité n'est pas la vérité de tout le monde. Quand quelqu'un regarde Sarah, il va trouver que c'est une monoposée. Mais la vérité de Dieu, c'est une mère à venir. Attrape la main à quelqu'un, dit: quel est le fondement qui est renversé? Change seulement de fondement. Regarde autrement et tu vas voir que l'Éternel a déjà restauré et que toi tu es appelé à la gloire. Je déclare au nom de Jésus: à partir d'aujourd'hui, ta vérité vient de changer. Ta vérité vient de changer. Établis-toi sur Jésus. Jésus a ses vérités.
Il a ses vérités. Il n'est pas dans la réalité. Il a ses vérités. Et si tu crois aujourd'hui, la gloire de Dieu est en train de venir sur toi. Pendant que tu dis amen, que le ciel s'ouvre et que tu vis une chose extraordinaire. Ah, qui a dit amen bien? Est-ce que je peux terminer mon message? Il n'est pas seulement la vérité, mais il est aussi la vie. Il est aussi la vie. Il n'est pas seulement la réalité, mais il est aussi la vie. Je proclame la vie dont est question ici. Ce n'est pas seulement la vie éternelle, mais c'est la vie Zoé. Ça veut dire que c'est la vie de Dieu. La vie selon Dieu. La vie comme Dieu l'a pensé. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, il y a une vie de quelqu'un. Il était en train de mener comme lui-même. Et à partir d'aujourd'hui, en s'appuyant sur Jésus de Nazareth, que la vie de Dieu te soit donnée au nom de Jésus. En Jésus, tu es millionnaire. En Jésus, tu es faiseur de miracles. En Jésus, tu es le prophète du temps de la fin. En Jésus, tu es le créateur des grandes entreprises à venir. Lorsque la vérité change des choses dans ta tête, la vie se règle selon celle de Dieu. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, que dans ta maison, la vie de Dieu soit là. Au milieu de tes enfants, la vie de Dieu. Dans ton travail, la vie de Dieu. Dans tes entreprises, la vie de Dieu. Dans ta santé, la vie de Dieu. Dans ton ministère, la vie de Dieu. Qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, la vie de Dieu est déjà là. Oh, Dieu n'échoue pas. Dieu ne recule pas. Dieu ne dit pas que j'ai échoué. Je déclare à partir d'aujourd'hui. Ton amen n'est pas bon. Tape la main à trois personnes. Et dis-leur avec conviction. La vie de Dieu est mon partage. La vie de Dieu est mon partage. Vous allez vivre des choses incommensurables. Ce qui était détruit va reprendre vie. Et que la gloire de Dieu vous accompagne.